Salut, salut, donc aujourd'hui on se retrouve pour les swatches de make-up de cette palette de chez Haute Cosmétique. Donc c'est la Blackjack 21 Eyeshadow, c'est la Mean Girls, puisqu'il en existe deux autres que je peux potentiellement acheter plus tard, je ne sais pas encore, mais je crois que je vais me calmer avec l'achat des palettes quand même. Là, il faut que je me calme, hein. Il faut que je me calme avec les achats tout court de toute façon, et puisque samedi vous allez encore avoir un haul. Bref, donc on va être dans les tons rouge-orangés, voilà. C'est pour ça que j'avais craqué sur cette palette, c'est vraiment parce que pour moi c'est un peu les teintes nude que j'aime, quoi. Enfin voilà, le rouge-orangé, rose, prune, il y a un noir juste super pigmentaille. Par contre je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up. Donc je vous laisse avec les swatchs et pendant ce temps-là je vais réfléchir un petit peu et on se retrouve un peu plus proche pour passer au make-up. Je vous affiche comme d'habitude la petite image dans un coin quelque part. Et donc faites pas attention, hein, j'ai un bouton là, un bouton là, un bouton là et un dans le nez, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, et ça fait des bosses. Donc on va commencer je vais prendre donc un 231 de chez Zoeva et je vais commencer avec la teinte limousine. Allez, soyons fous, on va le faire plus dans les tons orangés je pense. Donc je vais mettre celui-ci dans mon creux de paupière. De toute façon je vais faire la forme que je fais habituellement parce que j'ai pas envie de me casser la tête avec un autre une autre forme, j'ai pas envie de réfléchir en fait aujourd'hui. Voilà, on dégrade un petit chouïa pour commencer. Donc je vais essayer de vous faire un IGTV. Alors franchement, si j'ai le temps, parce que comme on a le décès de la tante de mon mari là, hier on était au funérarium une bonne partie de l'après-midi, et demain c'est l'enterrement, donc je ne sais pas si j'aurai le temps pour tout ça. Et en plus, c'est la semaine où je dois garder, enfin m'occuper des enfants de mon frère. Ils vont à l'école, donc je me lève super tôt. Je suis levée depuis 6 heures quand même. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Hein, ce coup-là, je suis un peu fatiguée maintenant. Donc, voilà. Je vous promets rien, mais quand j'arriverai à faire l'IGTV, ça sera avec plus les tons rouges pour tout et tout ça, tout ça. Parce que j'ai très envie. Voilà, donc on reviendra réintensifier la couleur par après. J'ai oublié de poudrer mon arcade sourcilière. Ben oui. Ça, c'est comme à chaque fois que je ne le fais pas en bas. Et je vais essayer de poudrer avec la teinte Ubit. Ubit. Donc elle est un peu rosée, et un peu beaucoup rosée. Oh oui, trop rosée. Beaucoup trop rosée. C'est pas joli. Hein. Donc par-dessus, je remets la teinte Bachelorette. J'aurais d'ailleurs pu prendre celui-là tout de suite, même que c'est un irisé. Voilà. Un peu mieux. Donc je prends un chez Sana, celui-ci qui est propre, hein, mais qui est sale. Il est taché. Je vais prendre la teinte Sacred Money. Donc vraiment qu'un tout petit peu pour ben, flouter le bord du premier fard qu'on a mis. Ça tombe vraiment bien ces fards. Hein. Vous avez remarqué, j'ai mis mon t-shirt panda. Ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Je l'aime toujours autant ce t-shirt. Trop beau. Ensuite un petit coup d'estompeur propre avec un autre pinceau de Sananas qui est comme le 231 mais un peu plus fin. Je sais pas lire les numéros, hein, vous m'excuserez, mais ici comme ça je prends la teinte Secrets qui est un marron un peu rouille quand même, magnifique. Et je le mets dans mon coin externe, on dégrade bien le bord sur la paupière et dans le creux. Cette couleur est magnifique, j'adore le rouille un peu pris comme ça, j'adore. Donc ensuite c'est le moment de repasser à notre première teinte qui est la limousine pour
Reflouter le bord de celui-là et réintensifier la couleur en même temps. Restons peur propre, hein, comme d'hab. On travaille bien son dégradé. Je réintensifie avec la teinte Secret. Donc je vous remets le haut en petite fiche, comme ça vous pouvez aller voir parce qu'il y a un code promo sur le site de Beauty Lala. Donc il est noté en barre d'infos du haul. Vous avez droit à 10% sur tout le site. Et voilà. Ensuite, est-ce que je le fais au doigt ou... Je vais prendre le pinceau de la Nikit 3, le petit côté, et je prends la teinte Spill the Tea. Et je mets juste... Oh, très jolie cette couleur. Oh, elle est belle. J'adore. C'est un rouge orangé. Légèrement satiné. Ouh, j'aime beaucoup. Ici, on dégrade le bord. On peut réintensifier un peu, mais je pense que je vais devoir réintensifier un peu avec le noir ou un marron très foncé, sinon on va pas avoir beaucoup de différence. Mais cette couleur est magnifique. J'aime beaucoup. Donc là, avec le tout petit pinceau crayon comme ça de chez Sananas, toujours, j'adore pour le coin, quand vous voulez vraiment juste accentuer un peu votre coin externe, il est génial. Je prends la teinte noire qui est la teinte Jackpot, donc on va pas en prendre de trop parce que il a l'air super pigmenté. Il est super pigmenté. Et je fais un tout petit outer V en fait, comme ça. On revient un peu en racine inférieure. Voilà, j'ai plongé mon pinceau une fois dedans et j'ai réussi à faire les deux yeux. Et du coup, je reprends celui-là et on estampe. Alors, ça va être difficile parce que le noir ça travaille un peu plus difficilement. Il faut juste la patience. Donc, avec mon petit pinceau BH cosmétique langue de chat, comme ça qui est normalement un pinceau pour les lèvres, je prends la teinte Like a Movie pour mettre en coin interne. Et avec mon doigt, j'en prends un petit peu pour mettre au centre de ma paupière. Je floute le bord. Ça apporte un peu de lumière sans trop en faire. Mais c'est très joli. Ben écoutez, je crois que pour les fards, on est bon. Donc je vais mettre mon crayon. Je vais déjà mettre mon crayon et on va voir ce qu'on va faire. Je mets crayon noir de toute façon, angle supérieur, inférieur. Voilà. Voilà, on se retrouve après. Finalement, j'ai rien rajouté de plus. J'ai pas mis de liner blanc. Je voulais mettre un peu soit des paillettes, soit de liner blanc. Mais non, on va rester soft aujourd'hui. C'est pas mal. Voilà, j'aime beaucoup la couleur du coin interne, du coin externe. J'adore les couleurs. Après, j'aime beaucoup les make-up orangés. Je sais, orangé ou vert en ce moment, c'est mes teintes. Après, ça change. Hein. Mais j'essaye de varier quand même. Hein. Je pense que vous le voyez quand même. J'essaye de pas faire deux fois les mêmes couleurs. Après, parfois, ça marche pas. Là, le prochain IGTV, forcément, ça sera les mêmes tons que ce make-up-ci, vu que c'est la même palette. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de cette palette? Ah oui, alors d'abord, je vous dis, j'ai mis juste du mascara. J'ai pas mis de faux cils aujourd'hui. J'en mets tous les jours depuis un certain temps. Et là, aujourd'hui, j'en ai pas mis. J'ai mis le I Need a Miracle en deux couches sur les cils du haut et le Catrice Glam Angel Boost sur les cils du bas et sur les lèvres. J'ai mis le Cheer Liars de chez Urban Decay parce que c'est un cheers. Et quand j'ai des boutons de fièvre, je ne mets pas de mat parce que j'ai dû à les lèvres très sèches à cause des boutons. Alors je vais pas me les assécher encore plus. Donc comme ça, ça hydrate en même temps. Et voilà. Qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Bah, franchement, rapport qualité-prix pour un premier jet, hein, puisque c'est le premier make-up que je fais avec. Je pense que demain, comme on a l'enterrement, je vais me maquiller avec dans les teintes un peu plus nude, parce que voilà, je fais un enterrement, quand même, un minimum de respect. Les gens de ma famille ne comprennent pas mon make-up artiste qui est en moi. Voilà, ils ne comprennent pas toujours que je sois fort maquillée, fort colorée, ou des choses comme ça, donc... Quand j'ai des réunions de famille, du côté de ma belle famille, dans ma famille à moi, ça ne me dérange pas parce qu'ils disent jamais rien, au contraire. Dans ma belle famille, ils jugent un peu plus et du coup, je fais toujours des trucs un peu plus soft, surtout là pour un enterrement. Je ne vais pas y aller avec des fanfreluches vertes sur les yeux, quoi.
Donc je vais tester un peu plus les un peu plus nude et voilà, prune nude par exemple, ça peut le faire, ou marron nude, je sais pas encore. Cette couleur au centre a l'air juste sublime ici, donc je pense que je vais tester celle-là demain. Et pour l'IGTV, je vais utiliser le rouge, ça c'est sûr. Certainement le rose et le Las Vegas, ça c'est sûr. Et certainement le prune qui est juste ici aussi. Donc voilà. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, c'est noté ici. C'est noté, vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous avez tout le temps dans chaque barre d'infos mon dernier IGTV. Donc vous pouvez aller le voir, même si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez aller le voir. Après c'est gratuit et c'est un réseau social que j'aime énormément traîner dessus. Donc j'essaye de partager beaucoup de choses, notamment des stories et tout ça. D'ailleurs, j'en ai pas fait de story depuis un moment, mais bon. Rapport qualité-prix, c'est une très bonne marque. Franchement, plus je teste et plus j'aime leurs produits. Donc, la semaine prochaine, on fera le swatch make-up de la The Rude Awakening. Awakening, ça doit être ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait que j'aille voir. Je ne connais pas ce mot. Et qui est donc comme ça. Donc là, principalement, on utilisera les kakis et le jaune moutarde, puisque ce sont les couleurs qui me plaisent le plus. Et le orangé ici aussi, il a l'air très beau, les cuivrés, les rouges. Très jolie palette. Donc on attaque celle-là la semaine prochaine. Et voilà, je vais pas vous dire qu'il y aura plus de swatch make-up parce que je me connais. Donc voilà. Mais après, je pense que on aura fait le tour un peu et on attaquera du coup plus régulièrement les swatch make-up Prune 2. Donc reprendre les anciens swatch make-up pour refaire encore un autre make-up. Et j'ai eu l'idée aussi de faire une série de vidéos spéciales. Je mixe enfin mes palettes parce que vous connaissez ma hantise d'utiliser à chaque fois une palette. Voilà, faire un make-up juste avec une palette. C'est très rare que je mixe, sauf quand c'est un thème. Donc là, à ce moment-là, qu'il me faut des couleurs particulières, là je mixe, mais c'est très rare parce que j'aime pas avoir plusieurs palettes ouvertes. Et voilà. Donc là, j'ai décidé que on allait attaquer cette série-là où je mixe enfin mes palettes. Et je pense qu'on commencera avec soit une que j'adore et une que j'aime pas trop, soit mes deux préférées ou des choses comme ça. On verra bien. Mais comme ça, on fera un peu des nouveaux make-up. Et donc, voilà ce qui conclut cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, d'aller voir le haul si jamais vous ne l'avez pas vu, il était dans la petite fiche tout à l'heure, pour pouvoir profiter du code promo de 10% parce que ça serait compte sans privé. Et de vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur la chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir. Le compteur il monte lentement, mais il monte. Et donc, on se retrouve samedi pour un haul. On se retrouve samedi pour un haul. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.